Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux. Aujourd'hui on se retrouve donc pour ce Pokémon Super Donjon Mystère. Alors en fait c'est pas Super Donjon Mystère, c'est juste les Français qui se sont fait une meute. Et le jeu s'appelle en français Pokémon Méga Donjon Mystère. Oui, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, parce qu'en japonais c'est du super, et en anglais c'est du super. Et aussi en allemand, du coup je sais pas ce qu'on s'est fait. Je suis accompagné comme d'habitude de ma chère Megan. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Et ça va? Ça va. Ça va. Alors aujourd'hui on va continuer ce qu'on s'était fait. Et là, tout simplement, on va aller rechercher Megan, mais le mode Pikachu, parce qu'elle a fait plein de petites conneries, hein. Hein, Megan, ça va pas, hein? Oui, non, mais c'est pas ma faute, hein. Du coup, voilà, on est parti directement. Allez, let's go. Alors, c'était parti vers la gauche, il me semble. On va aller par là. Ah, ça commence direct. Je peux pas aller par là. Ah, ok. On a vu ça. Ils sont pas allés vers la gauche, ils sont vers le haut, alors. Ouais. Je sais pas, moi je... Non, non plus. Ok. Ok, j'ai compris. Allez, j'ai compris. À droite. Ah, bah, ok. Fallait aller un petit peu à droite. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Numéra à... Numéra. Ok. Comment il s'appelle déjà ces Pokémon? C'est Bombi et... Attends, c'est deux Pokémon de la 5ème génération, moi. Je les hais. Vivaldin. Ouais, Vivaldin et la coquille. La coquille. C'est la coquille. Non, mais la 5G, c'est horrible. Oh, bah, pardon. Ouais, là, tu passes trop vite. Bon, il s'est énervé. Ouais, ah. Parce que il y a Numéla qui est parti de son côté. Numéla. Ouais, Numéla. Tu sais, c'est le truc tout moche là. Non, je vois pas qui c'est, mais on verra sur le moment. Ouais, tu on le verra sûrement après. Ok. Ouais. En fait, avant elle avait dit toi et Pandespiègle, vous êtes toujours en train de l'inciter à faire de mauvaises choses. Mais non, c'est pas ma faute. C'est une fausse accusation. D'accord. Donc une petite baston entre deux petits Pokémon. Il a dit qu'il voulait y aller lui-même. Écoute bien. Et écoute bien. Vous êtes toujours en train de vous moquer de Numéra. C'est marrant, hein, parce que en japonais, je fais une petite parenthèse. Les points, en fait, c'est des points qui sont vides, dans le sens. C'est pas un point noir comme chez nous, c'est un point blanc. C'est chez nous. Moi j'ai l'habitude. Je vois, je le note comme ça, tu vois. Ouais. Vous en faites trop et après c'est trop tard. Cette tête. Regarde. J'ai compris. Donc, pardon. Ça. Emmène-moi. Ok, bon. Tout de suite. Ok. Bon, ok. Comment ils s'appellent déjà? Ils vont me gueuler dessus, voilà. Mes abonnés vont me gueuler dessus. Tu connais pas les tous les Pokémon? Écoutez, la 5G c'est celle que je retiens le moins. Bon, c'est alors. C'est de là. Pourquoi il y a un 2 en fait? Hein? Bah, c'est de là. Ouais, ah, celui-ci c'est de là, ok. Ce sont des enfants du village. Que faire? Ça m'intrigue. Mais on y va, les gars, on y va. Ouais. C'est la mèche, tu portes tes balls parce que voilà. Hein. C'est Eric. C'est Luca. Luca. Ah, est-ce qu'il a dit quoi qu'on se prépare pour aller? Ouais, est-ce que tu veux les suivre? Je suis prêt! Let's go! On veut faire du donjon! Ah, il n'y a pas d'espiègle, c'est juste, t'avais bien traduit. Il n'est pas encore rentré! Ah, oui. Il prend vraiment beaucoup de temps. J'ai l'habitude de pas y aller. Ah, c'est tout. Je pensais que c'était plus long que ça. Ah, comme prévu. Comme prévu. Il est faible, donc s'il ne bouge pas, s'il ne fait rien, ça devrait bien se passer pour lui. Mais c'est un peu une espèce de team un petit peu méchante, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, un peu... Pas méchante, mais genre un petit peu... Vu que c'est des gamins, ce qui est marrant, c'est que c'est des gamins. Comme nous, c'est la mèche. Donc en fait, c'est un petit peu le trouble fait de la... De la... Du village. Là, il dit quoi? Il a seulement été courageux dans ses paroles. Mmh. Il a dit « Je vais vous montrer que je suis courageux en voulant faire son fier. » Ouais. Et là, il doit être dans la forêt, en train, sans bouger, en train de pleurnicher comme un petit gamin. Okay.
Ils sont trop méchants. Ah, vous êtes méchants. Oui, vous êtes méchants, bande de petits fourbes. Ouais. Numéla est plus jeune que nous. Numéla, qui c'est? Je vois pas qui c'est. Ah, c'est peut-être Chamallow. Non, c'est juste Numéla. Non, c'est Numéla aussi en français. Non, ça n'existe pas, Numéla. Mais si, ça existe, non? Non. Mais à mon avis, Numéla, ça vient de Numel en anglais, peut-être c'est Chamallow. On le voit dans l'anime avec Sacha. Avec Sacha. Bon, on verra bien. Tu devrais aussi lui enseigner la sévérité de la société. Ok, d'accord. Les belles paroles. Pour des enfants, c'est des belles paroles quand même. Ouais. Et s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? J'y vais. On y va. Non, n'y va pas. Ah, ok, j'y vais pas. C'est toi? Okay. Oui. Ah, pardon. Vivaldin, tu es notre idole. On te laissera pas y aller. Oh, qu'est-ce que vous avez là? Bon ben, alors allez-y vous. Ils vont pas oser. Nous? Là-dedans? Dans cette forêt effrayante? Ah, je suis là, le sauveur est là. Je veux pas, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Je t'ai dit ça, mais ça veut pas dire que j'ai peur, hein. Non, c'est gars, là, excuse dessus. Ne pense pas ça, c'est faux, ne pense pas ça. Ah, c'est Ruka. Bonjour. Je n'ai jamais vu celui-là. J'ai vu celui-là. Regarde ton foiré là. Putain, j'ai pas son prénom, putain. Lansargo, c'est l'évolution. D'où est-ce que tu viens? Je sais plus. Je viens de la terre aussi. Tu n'es pas un enfant du village. Effectivement. Pourquoi tu dis rien? Mais parce que je peux pas parler, putain. On m'a coupé la parole. On peut pas comprendre si tu dis rien. Il y avait une paix. Que faire? Que faire? J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit. J'ai entendu tout ce qu'ils ont dit. Peut-être que je peux y aller à moi, à leur place. Oui. Oui, c'est un fou. Oui. Tu es vraiment inquiète, hein. Bon. Yosh. J'y vais. Et tu comptes y aller? Tu veux y aller à notre place? Ah, je suis trop fort, je traduis et tout. Non, je rigole, c'est la chatte. Tu en es sûr? C'est vraiment effrayant, hein? T'es pas effrayé? Non. Bon, si tu dis que tu veux y aller, on peut pas t'arrêter. Ouais, bah ça l'arrange celui-là, hein, ton espèque là. Je ne sais pas ce qui se passera. C'est vraiment bon pour toi? Il veut m'accompagner, Valdin. Jusqu'à vers où Numéla est-il parti dans la forêt? Il n'a pas dû aller très loin. Trois étages, quoi. Continuant de marcher un peu, tu devrais trouver une feuille de papier tombée par terre. Feuille de papier, ok. On note tous les indices, des détectives. Une feuille de papier. Une grande feuille de papier. quand nous sommes venus avant partir en expédition. Ouais. Oh, ah, pardon. nous avions l'intention de la ramener, de ramener la feuille de papier. Mais un Pokémon effrayant est tombé dessus et ça nous a... Et on a été trop surpris. Je sais pas ce que c'est Pokémon et j'ai hâte. Ton espiègle avait vraiment peur. Rappel de son visage. Le bon enfoiré. Cette tête. Oh là là. Bon, en tout cas...
Numéla est allée chercher le papier, c'est ça? Oh non, j'ai vu trop. Bah, c'est ça, il est allé chercher le papier. Ah! Oui, si tu trouves, si tu trouves le papier, tu écris ton prénom dessus et tu reviens. Si tu fais ça, on sera d'accord que tu auras. Ah! On sera d'accord que t'es. Que tu seras courage, que tu es courageux, quoi. D'accord. On reconnaîtra ton courage, voilà. Ah. Désolé. Tu as à peu près tout compris. Tu peux te demander. J'en ai marre qu'il parle là, ce petit gamin. Allez, on y va, let's go. On a compris qu'on allait chercher un petit Numéla. Alors, moi je dis que c'est Chamallow, mais je pense pas. Et... Oh, je sais pas, moi je connais que Numéla. Ah, c'est marrant, parce que du coup, on se met des petits. C'est quoi ce poké? Un Seraphrous, ok. Dégage. Merci. Et du coup, là, c'est parti. Maintenant, ben, on est dans le donjon. Ça fait plaisir. C'est un petit peu la phase qui nous intéresse parce qu'on n'a pas besoin de savoir le japonais pour avancer dans le donjon. Mis à part pour les objets. Mais les objets, pour l'instant, on va pas trop. Enfin, on n'a pas trop besoin. Et surtout, ils sont imagés. Donc, c'est plutôt bon. Merde. Ah, ils sont. Attends, je vais pas faire ça. Je vais faire. Voilà, ça. Je vais défoncer un petit peu. Ouh, 14. 15. D'accord. Alors, c'est quoi X pour. Utiliser, je pense. On a les chauds, mais bon, on sait quoi faire. Mais un Pokémon qui n'évolue pas, du coup, il a les stabs intéressants. Je sais pas si dans Jean Vissière les stabs sont identiques ou du moins la même puissance, genre du coefficient 1,5 sur les attaques. Vu qu'il m'a fait une attaque charge bien stab. Mais on va dire qu'il y a quand même une part de ça. Une pomme, ça c'est intéressant, on en a besoin sûrement. Je sais pas combien d'étages on va monter. Megan ne va pas me spoiler. Sinon, voilà. C'est pas toi, c'est quoi en fait? Mais il faudrait que tu. Je vais juste lire la description. C'est certains bâtons, ils peuvent par exemple endormir tous ceux qui sont dans la salle, dans le donjon, dans la pièce, ou des trucs comme ça. Ok. Ça peut être utile. Merde, je pensais que ça touchait. Ouais, faudrait que je lise les objets, mais bon, pour l'instant. On descend, on est en B2F. Ah, c'est quand même cool, hein, ce. Enfin, je sais pas. Ça me fait plaisir de jouer à un donjon mystère. Ça change de ce qu'on connaît finalement des Pokémon avec les fameux. Avec les fameux. Ben, jeux RPG quoi. Ok, j'ai loupé. Oh non, Emma. Ça par contre, c'est casse-couille ça. C'est vrai que je perds tout le temps des points de vie. T'as pas une B attaque par contre. De toute façon, t'as une B pour soigner. J'ai une B, tu crois? Bah, peut-être, non. C'est une BP chaque, j'ai besoin. Ah ouais. Je fais tout visuellement par contre. Hein. Parce que sinon, je ne comprends pas tout. Mais bon, c'est cool qu'il y ait des images, franchement. Ça aide pas mal. Alors, attention, j'ai besoin plus d'attaque. Hein. Pour le boss, faudrait que je garde des flamèches. Enfin, ça dépend quel type il est le boss, mais bon. Je pense qu'il doit être de type neutre. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, je peux plus porter? Ah, ok, alors je vais utiliser une pomme. Ça, c'est une pomme, ça? Combien de faim? Je sais pas. 80. Ah, c'est bon. Tac, j'ai récupéré la pomme. Alors. Alors, je peux plus rien prendre. Ah, ça, c'est un élixir, c'est intéressant ça. On va essayer de jeter des objets qui sont pas très intéressants, genre celui-là. À tous les coups, il me sert à rien. Mais je suis pas sûr. Attends. On va en jeter un parce que souvent c'est graines, soit c'est un truc explosif, mais c'est rare, c'est souvent un truc de merde. Ouais, je sais pas ce que c'est pour jeter. On va dire que c'est le deuxième. Non. Le troisième. Ouais, il est déposé. Voilà. Bon, maintenant on peut plus prendre des trucs, donc maintenant si j'ai besoin de quelque chose, ben tant pis. Mais
Ouais, c'est dommage que... Enfin... Oh. Bonjour, viens ici. Alors, je vais essayer de faire autre chose, genre ça. Ah, yes, j'ai apuré. Donc ça, c'est morsure, effectivement. On confirme. On confirme les attaques, hein, parce qu'on les connaît pas toutes. Je sais juste que morsure est à gauche, la mèche à droite. Et du coup, ça permet... déjà, avec morsure, c'est cool, parce que ça permet de choper les Pokémon spectres de manière assez efficace. J'ai encore peur. On continue. C'est très bien. On continue. De notre... Ah, parfait. On a l'escalier. J'ai hâte de voir ce boss. Toi, tu connais ou pas si tu te rappelles encore, mais j'ai hâte de le retrouver. Et voilà. C'est quoi ce machin? Ah, c'est une fée. Bien. Du coup, là, je peux pas faire morsure. Ah, elle me dit en fait que l'attaque à gauche est pas efficace avec le triangle. T'as vu? Ah oui. C'est dedans, tu peux pas l'utiliser. Ouais, en gros, je peux utiliser que celle du bas. Et où ma fin? Y'a pas un bouton pour faire... Ah, 74. Bah écoutez, vu qu'on récupère une pomme tranquillement, on va manger une pomme. Voilà, et on récupère une pomme. Très bien. alors, on va monter plutôt. Chiant celui-là. Il m'enlève mon esquive, je crois que c'est le doux parfum. J'essaie vraiment de... De deviner les attaques. Du mieux que je peux. On est niveau 6, hein. J'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, t'es con. Oh non! Oh non, 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 ça c'est con. Ça c'est chiant. Oh non! Eh, cousin. Ah, c'est bon. C'est horrible parce que quand t'es confus, ben, oh, surtout quand t'es. Oh non, 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 non. Oh non. Non! Voilà. Un truc comme ça de chatterie. Oh non, c'est bien dangereux parce qu'il y en a un autre. C'est bon. On le tue. On l'a peur. Non, c'est juste... Oh mon dieu, mais ils font mal. Là, c'était chaud. Parce que on joue avec la confusion. Qui dit jouer avec la confusion dit avoir de la chance. Et comme vous connaissez ma chance légendaire, que je n'ai pas du tout. Par contre, on gagne un point de vie avec chaque pas. C'est abusément tranquille. On va donc se soigner. Ah, on va clairement se soigner. Très bien. On est donc à l'étage final. Nous sommes arrivés au bout. Oui. Ah. 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 C'est là. Ah, c'est lui. Numéro. Alors, comment il s'appelle? Ouais. Mucuscule. Non. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Mucuscule. Ok, bon maintenant je t'ai réussi. Je crois que c'est ça. Moi je pense aussi, ouais. Ah, j'ai peur, blablabla. Blablabla. Je suis à portée, t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Ah, c'est ce que c'est le papier dont Pondespiègle avait parlé. Il y a quelque chose d'écrit dessus. C'est des traces de pas. Disons, ils... C'est difficile à lire parce qu'ils sont tous de façon trop forte. Ouais. Mais étrangement, j'arrive à comprendre. Numéro A. Mais comment il s'appelle alors? Mucuscule, je crois. Mucuscule. C'est écrit. Je vois. Ouais, il est trop mignon. C'est donc Mucuscule qui est là. Il a réussi à venir jusqu'ici et à écrire son prénom avec tout son courage. Qu'est-ce qu'il fait? Yeah. Et... Tu veux me sauver? Oui, je vais me sauver. Mmh. Ah, trop mignon. Ah, j'ai eu trop peur. J'imaginais qu'il y avait un boss et tout. Ah, vous êtes revenu? Ah, le papier, tu l'as rapporté. Et tu as même écrit ton prénom? Ah,
C'est quoi ça? C'est quoi ces signes? C'est écrit tout bizarre, enfin tout tremblotant. Mais non, me dis pas ça. Rigole. Rigole, on dit ça. Tu étais tout tremblotant et tu avais peur et tu as écrit comme ça. C'est intéressant. Allons le montrer à tout le monde. Ok, donc ils sont allés se paumer dans une forêt dangereuse pour un papier avec quelque chose qui est écrit dessus et qui est drôle, soi-disant. Okay. Diana. On sent les gamins. Alors. Et on pas, vous deux là. Genre lui, il se casse avec le papier et il le laisse au sol, c'est trop méchant. Vraiment. Trop méchant. Mais qu'est-ce que. Ah, pardon, c'est la phrase, je comprenais pas. Tu es revenu en bonne santé? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Tu es revenu sain et sauf? Voilà, tu es revenu sain et sauf. Je suis contente. Désolée. Je voulais montrer que moi aussi j'étais courageux. Ces deux-là sont toujours en train de dire des bêtises. Ne les écoute pas. Ah, mais bon. Tu as vraiment fait ton mieux cette fois-ci. Il va bien. Un câlin. Tu as réussi à aller jusqu'au fond de la forêt. Tu as même écrit ton prénom. Tu es courageux. Même si on voyait pas grand-chose. Ne dis pas ça. Mais... Et tu es revenu. Si Mucuscule est revenu sain et sauf, c'est aussi grâce à toi. Mais de rien, je suis sauveur, hein. Ça c'est pas connu ça. C'est connu ça. Merci beaucoup. Et toi. Allez. Allez, l'année. Ah, mais bon. Je ne connais pas encore ton prénom. Enchanté, pour moi c'est Luca. Je suis un. Un salamèche hors pair qui chasse beaucoup. Voilà. Ah, un petit passage tranquille nocturne avec un Deoxys qui va arriver. Pourquoi? En fait, c'est quoi les petites vaguelettes? Ouais, c'est genre. C'est pour faire genre. À la japonaise, ça fait genre. Tu sais, c'est Dojte. Dojte! Ouais, voilà, c'est ça. Là. Ah, ok, c'est ça, ok, j'ai compris. Happy Feuille, ça fait longtemps, c'est vrai. Mais t'es passé où? Je t'avais dit de rester à la maison. On pourrait quand même dire ça. C'est ça. Oh, oh là 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 là. Moi je suis. Je t'avais dit de rester à la maison, de pas sortir. Je t'avais dit de m'attendre jusqu'à mon retour. La prochaine fois, écoute ce que je dis. Happy Feuille. Calme. Mais. Je peux comprendre que tu aies envie de voir le monde extérieur. Ouais, oui, je veux voir le monde extérieur. C'est la première fois que tu viens là, que tu es là. C'est normal d'avoir envie de partir à l'aventure. Mais la prochaine fois, ne le fais pas seul. Il y a aussi des moments où on va te dire, où tout le monde va, les adultes vont te dire de ne pas partir à l'aventure. Parce que c'est dangereux. Non, je sais pas. Moi aussi, je pense comme ça. Mais si il y a un endroit où tu as envie d'aller voir, vas-y. Bien, à partir de demain, c'est l'école. Oh non, l'école, pas l'école. C'est vrai, demain c'est l'école, hein, parce qu'on est dimanche aujourd'hui. C'est demain, c'est l'école. Repose-toi bien maintenant et prépare-toi pour demain. Soga. Très bien, aujourd'hui on a fait un petit donjon sympathique, on a une petite histoire avec nos petits mucuscules Vivaldin et
L'autre là, Shelmet, je crois qu'il s'appelle Shelmet en anglais. Mais Lansargo. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il dit? À la nuit tombée, un truc comme ça? Le matin suivant. Ah voilà, je suis presque. Va à l'école. Va à l'école. Vas-y, ça va à l'école. Allez, genre, va à l'école comme ça, tu sais. Moi, je suis là. Moi, j'ai Va. 22 piges, je vais pas à l'école comme ça, tu sais. D'abord, je vais te présenter au professeur. Allons à l'école. C'est comme Naruto, Aujourd'hui, tu sais. Tu prends on quoi? va ensemble, mais à partir de demain, tu devras te débrouiller tout seul. En gros, c'est un peu mon grand frère, c'est. C'est marrant. Mais c'est cool Ah, comme approche. Je préfère on l'approche. J'aime bien l'approche enfant, comme ça. y va. Oui, on y va, on y va. Ikuze! Le, Chapter 3 déjà? C'est quoi? C'est écrit quoi? Vite, vite, vite! la colline où il y a un grand arbre. La colline où il y a? Un grand arbre. Ok! Merci pour la traduction rapide. T'as Non, vu franchement, ça? elle gère, hein. Franchement, elle gère. Imaginez traduire comme ça presque au tac au tac, parce que bon, elle doit quand même lire une fois la phrase, l'interpréter, et c'est du japonais, les gars. Regardez-moi tous ces signes. Oh là là, plein de Pokémon Et donc, dégueulasses. Courtajou et Miradar. Oui? voilà, professeur, non, principal, le principal, principal et professeur. Je demande, comment on dit ça? Je demande votre bienveillance. Demande de bienveillance, ça c'est joli ça. Allez, toi aussi, présente-toi. Oh, Oh. je suis honoré de vous rencontrer. N'est-ce pas un enfant, un mignon enfant, un enfant? Oh, le pédophile spotted, ma gueule. Je rigole. Je vais m'occuper de lui. Ouh, là encore ça qui croque. Bien, alors je vous laisse là. Non, puis fais, laisse-moi pas toujours avec ces horribles choses. Ces types, oh, il va me faire mal. Ah non. Ah non. C'est vrai que c'est un truc japonais, ça. Ouais. Bon, c'est genre, Ouais, c'est ça. Ouais. Je te demande de ne pas faire des bêtises quand tu seras à l'école. Pas de soucis, je suis un calme, gentil. Parce que bon, nous avons déjà un élève qui Ah, c'est l'autre con, là. est ici. Et oh. Je suis désolée pour le scandale de la dernière fois. Oh, comment il s'appelle? Mirada? C'est pas. Mirador. Professeur Mirada. Ne dis pas ça si soudainement comme ça. Et puis, on a vraiment un élève difficile. Mais évidemment, il y en a un. Oui, enfin, c'est bon, passe. Vous aussi, vous pensez comme ça, principal. Professeur. Ne parle pas comme ça des élèves de notre école. Oh, c'est un beau principal, ça. Un beau Ah. directeur. Bonjour. Kamoniki, c'est Kamartichaud. Professeur Kamartichaud. Ah, bonjour. Ah, professeur, bonjour. Oui, j'évite, hein, parce que je Ah, vois des petits mots. bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Encore, punaise. Ohayou-gozaimasu. Ah, professeur. Konnichiwa. Bonjour. Professeur, Artichaut. vous portez toujours un poireau. Oh, il est pauvre, ça. Il a pas d'artichaut. Non. Parce que si je n'avais pas un poireau, je serais seulement un canard, n'est-ce pas? Oh, la punchline, ma gueule! Excusez-moi. J'essaie un peu d'interagir avec le Et texte. puis, ce n'est pas un poireau, c'est une tige. Une tige. En tout cas, enfin bref, dépêchez-vous de prendre place. On dirait que les élèves viennent d'arriver. Alors, allons rapidement te présenter à la classe. Ça, c'est trop marrant. Ah, ils sont tous là. Il y a un petit stigri en plus. Ouais, Et aujourd'hui, un Yaoi derrière. on accueille notre nouvel élève.
C'est tellement cool. J'aimerais vous présenter votre nouvel ami. Ah, c'est lui? Ah, celui d'hier. C'est lui, mais hey, j'ai un nom, les gars, hey, on se calme. Ne le connaissait pas. Ils me connaissent pas. Pourquoi il y a autant de personnes qui connaissent cet enfant? Parce que je pèse dans le game, que ça soit dans le jeu. Non, je rigole, les gars, c'est bon, c'est juste que j'essaie un petit peu. J'appelle Ruka, non, voici Ruka. Voilà, votre nouvel ami s'appelle Luca. Enchanté, c'est un plaisir de vous Vient de rencontrer. déménager chez Pifeuille. Soyez gentil avec lui. Ah oui, bah tiens, bah tiens, bah tiens, et voilà, c'est parti. Mégane qui s'emballe, Mégane qui me saute dessus. Ah, Attention. l'élève difficile. Le Ah, voilà. c'était toi l'élève difficile. Ah, désolé, est-ce que ça J'adore tellement va? comment est présenté le Pikachu, c'est tellement drôle. Oh non. Ah, celui d'hier. Oh non, je perds connaissance. Oh. Genre, le fragile que je suis là. Coup de boule et hop, ciao. Elle m'a défoncé. Hein? C'est... Ah bah non, mais oui, il m'a soigné. Ah, tu as repris connaissance. Mais oui, merci, non, mais oui. Ici, c'est l'infirmerie. Ok. Tu t'es évanoui hier. Enfin, hier, tu t'es évanoui. Ouais, ça, tu t'es évanoui récemment, quoi. Tu te souviens que Megan t'a bousculé? M'a fait un coup de boule, ouais. Mais bon, tout va bien. Tu es revenu à toi. Ouais, moi? Je m'appelle... Tabéo. Tabemné? Non Tabéo, mais oui. marrant parce que quand je connais c'est Tabemné, peut-être, mais bon. T'abonner? Ah, c'est peut-être. Ouais, Ah, bon. trop marrant. C'est pour ça qu'il y avait une question. Je suis le médecin du village, mais je travaille ici en tant qu'infirmière aussi. Enchantée. Et je connais. Je connais. Trop stylé. En ce moment, tout le monde est en cours. Vas-y, quand tu te sens bien. Exactement! Oh! Hé, les gars, je pèse ou quoi? Allez, c'est bon, c'est tout pour moi, c'est Voilà. fini. Le gars, il invente des C'était phrases, tu tellement sais. sanglant. Non, parce que ça reste. Magnifique. Oh, c'est parfait, je peux sauvegarder comme ça. Attends. Si vous sauvegardez déjà, ici. Écoutez, les gens, c'est cool parce que là, on a fait un peu. Beaucoup, enfin, pas mal de choses dans le sens où on a fait un donjon, on a avancé dans l'histoire. Déjà, on est déjà, je sais pas combien de chapitres, mais on est au chapitre 3. Et on a donc fait plus ou moins la rencontre de Megan qui est très turbulente, hein, comme Pokémon. Ça va être marrant comme duo, je pense, parce que bon, en fait, ils ont fait en sorte d'avoir un personnage qui est donc le nous, et nous sommes normalement assez, on va dire, sérieux, avec un personnage comme Pikachu qui est très un peu olé olé, très énergique et tout, et moi je trouve ça énorme. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que cette partie village. Elle est moins genre axée directement sur les guildes, les teams, l'exploration tout de suite. C'est genre vraiment un vrai village avec l'école et tout ça. Je trouve ça assez sympa. Et ils ont axé ça avec les enfants. Et du coup, ça, je trouve, c'est aussi un peu différent de ce qu'on avait connu. C'était pas, enfin, ils n'avaient pas précisé quoi. C'était des humains, il y avait des vieux, des moins vieux. Il n'y avait pas vraiment d'école ou des petits, des enfants. Et du coup, ça passe mieux, je trouve. Je sais pas. Moi, je trouve que ça passe bien. Genre, quand on nous dit, voilà, c'est des enfants. Donc forcément quand ils discutent, tu sais, les propos qu'ils disent, ça se tient, tu vois. Ça qui est bien, ça reste logique. Enfin bref. Je vais vous laisser là donc avec Megan. Je pense que c'est bien. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Et on verra ce qu'on va faire dans ce chapitre 3. Allez, ciao, bye bye, c'était Pux. À la prochaine. Diana.